Oui, bonne journée, voici en UEVR avec Thalassa, Thalassa, et oui, votre émission qui parle de la mer avec Georges Pernoud. Et pas du tout, c'est un jeu, donc ça s'appelle Thalassa Edge of the Abyss. Et bon, bah c'est la première fois que je le lance, donc on a viré la synchro, voilà, limite d'affichage 240, on les aura jamais. Et par contre, ouais, tout est en ultra, sauf en fait, je crois que j'ai viré le... Non, il n'y avait même pas de motion blur à virer. Donc tout est activé à fond et là on est en natif stéréo. Voilà. Reprendre. On va virer. Hop, la vue. Et c'est parti pour explorer ce truc et voir comment ça tourne. Alors, pour l'instant j'essaye à 60. Donc nous sommes dans un scaphandre. On a une icône avec une main. Qui me fait éternuer. Brochure. Donc la brochure elle est dédoublée à cette distance là. Par contre là c'est bon. Voilà. SS Thalassa. Alors. Lire. Bah ouais, tiens, voilà. Ah, purée la vache. Ce siècle sera marqué par de grandes avancées, que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer, et le Thalassa est à l'avant-garde. Mais il n'a pas eu de chance, le Thalassa, il était tip-top et puis il a coulé. Grâce à Seigneur, nous explorerons les fonds marins et repousserons les limites de l'histoire de l'archéologie maritime. Notre prochaine expédition nous permettra de remonter les profondeurs. Par contre, faire défiler. Ah bah voilà. Left control, right control, ok. J'ai eu peur que ça marche pas. Notre prochaine expédition lui permettra de remonter les profondeurs. Cette entreprise n'est pas une sinécure, blablabla, blablabla, bravo. Eh bien oui, ce n'était pas une sinécure car ils sont tout au fond de l'eau. En train d'explorer bah, les grands fonds. Décidément, ils aiment bien avoir de la pub dans leur bateau, à propos de leur bateau. C'est formidable, ça n'a pas de sens, mais bon. Oui. Bon, bah, c'est formidable, nous en apprenons plus en fait sur la famille Greenwood. Donc en ultra, on tient pas les 60. Ça fait mal. Bah, on va donc. Ah, il y a des à-coups. Ah, apparemment quelque chose vient de se passer automatiquement. Je viens d'écraser un portrait avec mes semelles de plomb, là. Oh là là, quelle brute. En plus, c'était des collègues scaphandriers qu'il y avait, là. Je suis désolé. Alors, enlever la poussière. Ou le sable. La vase. Ah, il faut le faire plusieurs fois avec la main, d'accord. Et on est content, maintenant. Alors, cette photo a été prise il y a 2 ans. Il me manque. Bon, bah voilà. Apparemment, ils ont tous coulé. Avec le navire. Alors, Bailey, il parle, et en fait, c'est nickel. Hein. Il n'y a pas de problème au niveau de l'interface. C'est à l'échelle, et tout est visible. Ouais, quand il fait une lecture, apparemment, il... Bon, hop, option. Il est en train de confisquer des images par seconde, donc on va... Allez, élever. Effet visuel. Élever. Petit crénage élevé. Et post-treatment, là, hop, voilà. So, effect. Oh! Oh, c'est medium. So, now it is on high. This is ultra. Ok. You have shadows. Oh. Quality of shadows. What is that? Textures, effects, visual effects. Anti-aliasing, post-treatment. And that's it. Yep. Let's see if we can keep our 60... No! But almost. Oh, no. It's the same. There's a... Apparemment, il y a un excès disque. There's some kind of a... trouble here. We are having some trouble maintaining 60 frames per second, no matter what, so... We're gonna make more sacrifices. Donc on va trancher dans le vif. Hein. On va y aller. On va pas faire la... Allez, moyen. Moyen. Ça, c'est peut-être l'IO, un truc comme ça. Les textures, j'ai bien envie de les laisser telles quelles. Et moyen. Moyen. Voilà. Et donc... Et non, ça va faire la même merde. Hein. On n'est plus à 45, on est à 51, au plus bas. Et ça tient... Non, c'est pareil. The same. Where am I supposed to go? That way.
Waouh, Thalassa. We are sinking. On est en train de couler là. Distance d'affichage sur le Balek. Bon bah. Hop. Voilà. Et on va voir si ça change quelque chose. Non. I'm afraid. Oh non. Same result. C'est pareil. Vite, open la valise. Quand on a envie d'éternuer, en fait, dans son scaphandre, c'est terrible. On est en train de couler. On se noie. Non pas par manque d'oxygène. Alors, lire. Un enregistreur photographique breveté. Alors là, c'est un peu chaud pour trouver le bon angle. Je ferme un œil, du coup. Était un fer à cheval en argent. Et un fer à cheval. Ah, l'enregistreur, il est où? Où t'as vu un enregistreur phonographique, là? Où? B, terminer, faire défiler, lire, B, voilà. Et donc, on prend rien. On ouvre juste des trucs, et puis, ok. Bon, ça va. Alors là, t'es super balèze ou pas? Non. Visiblement, il peut pas. Bon, bah, ça va limiter l'exploration, hein. Alors, qui a raté son courrier? Sa note administrative, vous êtes licencié. C'est pour ça que nous allons couler le navire. Bon, là, on fait rien, donc on va sortir. Ah, tiens, on a encore un truc à regarder, super. Alors là, c'est dédoublé encore pour l'icône. Là, c'est bon, à cette distance-là. Alors, zoomer. Attends, c'est left, right. Bah, zoomer, ça fait que dalle. Hein. On zoome pas. Terminer l'observation. Isabelle a fait construire le Thalassa il y a 7 ans. Ouais, et 7 years ago, that person. Can I show you if you need directions? Quoi? I have my maps and schematics here at the ready. Cri? I know. You have a good memory. I don't doubt that. Oui, on va crier. On fait comment pour crier? Qu'est-ce qu'il raconte? Énigme. Right button, K map. Objectif 0, objet. Oh. Alors, astuce profil. La page des profils montre les personnages et leurs liens avec les autres personnages. Super. Nous sommes Alex, directrice et grouillot de plongée. Ouais. Mais c'est formidable. Alors le D-pad ça fait que dalle, les sticks ça fait... Ah, ça me fait la carte. Quel stick, le droit ou le gauche? En équipage, machin, et je fais comment pour m'orienter là-dedans aussi? Ah là maintenant c'est le... avec le D-pad, donc les croix directionnelles, ou la croix directionnelle. On est là. Et normalement on peut passer. Sauf qu'il me dit, mais va te faire voir, on peut pas. Oh là là. Il aime pas. Donc bouger c'est double. Voilà, cylindre. Et voilà, ça va faire un point en moins. Et du coup, on va pouvoir. Alors New York quoi? Ah bah j'ai pas eu le temps de lire. New York Nexus. Et maintenant? Save it again. Ah, si donc faut le faire. Like when recording voices. Exactement. Is there a device to play that works with your suit? Sérieux? J'ai un lecteur intégré. C'est quoi ce délire? C'est quoi le délire? J'ai un lecteur intégré. Ah, stick droit, c'est ça. Donc, carte, élément, objet. J'ai pas... Mais les cylindres, il est fou, là. C'est une blague? Élément. Indice, j'ai rien. Objectif, mais c'est, hey, c'est formé. Cylindre de cire. Mais t'en as fait quoi? C'est une blague. J'ai que dalle. Je viens de ramasser un et que dalle.
Oh là 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 là, ça m'énerve les jeux comme ça. Tu sors là maintenant. Clepsydre. Il faut sortir là, il faut sortir. Sors, 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 c'est trop tard. Oh, ma perfourasse, il m'a eu. Bon, armoire, enfin. Enfin, j'ai eu l'icône. Ah, vas-y, je maintiens A. Ah, j'ai peur de le lâcher. Voilà, non, c'est bon, ça s'actionne. Action déclenchée, action complétée. Alors. On va pas remettre le jus, il y a plus rien qui marche. Resident Evil, nous avons donc notre petite machine à écrire. Alors, enregistreur phonographique. Et donc on va avoir le son sous l'eau, c'est ça? Ah ouais, c'est balèze là. Ah, ça y est, on appuie. Non, mais c'est ridicule. Ah, c'est super, il nous a fait du café. Ah, Kadri. Yes, thank you. Toujours à cirer les pompes, ce Kadri là, hein. Ah, il est... Ben, on va envoyer un message. Ah, il faut connaître le morse. SOS, non? 3 points, 3 petits points, 3 longs points, 3 petits points, c'est du SOS, normalement. Alors le reste, lire. D'accord. Vous n'avez pas été à l'école du morse, du coup, ben, vous ne savez pas ce qui était écrit. Formidable. Donc là, on va se baisser. Perdu. C'est pas baissé, là. Bon, là, on est coincé. La carte, elle raconte quoi? Théoriquement, je peux passer. Sauf que ce magnifique jeu va me bloquer. Donc, en fait, on appuie avec le stick droit pour accéder à la carte. Et il faut ensuite appuyer sur Start pour la fermer. Donc, il y a encore un truc à explorer, c'est ça? Et puis, dès que je le trouve, j'ai le droit de sortir. Parce que là, ça pue, là. Bon, il aurait pu se cracher quand même au fond de l'eau avec un peu plus de retenue, hein, le bateau, là, parce que pff, tout est cassé, on peut plus passer. Formidable. Donc on fait quoi, là? Donc normalement, il y a Thérèse, il m'a dit, en fait, tu cries très fort et tu me dis ce que je dois faire. Bon. Principal, officier, zone d'intérêt, zone cruciale, zone bloquée. Bah ouais. Il te dit pas zone bloquée, hein. C'est balèze quand même. Objectif B. Indice. Mais il n'y a pas d'indice. On peut zoomer, on est super content, et après. Waouh. Ah, il commence déjà à me gaver ce truc, mais c'est grave quoi. Là, j'ai un appuyé sur X, et il fait un tour complet le mec. Donc avec son scaphandre, il peut. Pas se baisser et puis voilà, on est content ou pas? Oh la vache, en tout cas ça ramouille. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette dope, sérieux quoi? Zoomer, je peux pas zoomer. Ah, on a un truc. Ah non, j'ai cru que c'était des bulles d'air. Il n'y a rien au centre d'intérêt. Bon, bah on est coincé, content. C'était court. Aïe. Déjà, comment t'as fait pour rentrer? Hein? En cet endroit, tu t'es téléporté? Parce que là. Il n'y a pas de voie d'accès, il n'y a pas de sortie. Oh là là. J'en espérais beaucoup. Je suis très beaucoup déçu, comme dirait une certaine ex-députée. Passager 3. Oh mais attends, c'est maintenant que j'ai le droit en fait à avoir l'icône.
Surtout ne te coince pas et ne déchire pas ta combinaison, sinon ça risque de mal se terminer cette histoire. Tu pourras être résident permanent au Thalassa. Waouh! Ah, ça y est. Un escalier genre titanique. Alors, fermé pour raison de sécurité. Mais t'es pourri ton bateau! Ah, on est dans le monde réel, non? Ah non, on a des fantômes. Alors, cela fait des mois, mais j'ai l'impression que c'était hier. Ah, elle se remémore. Donc non, ils sont peut-être pas morts. Ils ont peut-être pu évacuer. Ah, alors, le passage est bloqué. Merci de nous le signaler. J'ai pas lu ce qu'il a dit, et j'ai juste monté. Isabelle, le bureau d'Isabelle, et oui! Voilà ce qu'on cherchait. Derrière la cambuse, waouh. Ah, heureusement que tout est plastifié, hein, parce que sinon, avec le temps, tout ça, ce serait désagrégé. Alors, chère Madame Greenwood, suite à notre précédente conversation, nous avons le plaisir de vous informer que la journaliste que vous avez demandé d'accepter le contrat, comme convenu, ben, c'est super. Voilà, je vous laisse lire in English. Non, trop tard. Mais c'était super important comme nouvelle. Tiens, on peut ouvrir, on a une étoile. Ouvrir porte de placard. Non, bon, on va faire A. En tout cas, c'est super lent. Et ça sert pas à grand chose. Ça y est, tu vas l'ouvrir ton tiroir? Ah, voilà, un tiroir vide. Ça, c'était intéressant. Au moins, il rangeait soigneusement les choses, mais ils n'avaient pas grand chose à ranger, visiblement. Parce qu'il fallait ouvrir ce tiroir, qui était vide parmi tous les autres tiroirs. Merveilleux. Qui eux aussi ont l'air d'être tout aussi vides. Alors, il nous disait Cambuse, mon petit Cambuse, carte. Donc, vous pouvez passer. Cambuse, c'est à droite. Hall central. Et je suis où, moi? C'est le petit drapeau jaune? Donc, à droite, il y aurait les Cambuses. Ou non, je suis pas le drapeau jaune. Le drapeau jaune, c'est l'objectif. Et moi, je suis en bas. Donc, on va aller à gauche, si on peut. Attends, il y a un truc à ouvrir, encore une fois. Non, à regarder. Photo. C'est une photo. Bon, le zoom marche pas. Voilà. Bah, peut-être que si c'est elle qui est responsable, en fait, c'est bloqué, il va nous dire. It's blocked. No. Oh, yeah. How surprising. Quelle surprise. Ouh là là. C'est bloqué. Ah, donc si c'est madame qui a fait couler le navire, c'était sûr que c'était pas la bonne personne. Hein. On se demande ce qu'on fout dans ce bateau, honnêtement. On pense qu'on va trouver quelque chose d'intéressant à faire, mais pas du tout. On se retrouve bloqué les trois quarts du temps. Ou alors on ouvre des compartiments, donc, de rangement qui n'apportent rien. Alors c'est fermé, il faut quelque chose pour l'ouvrir. Bon, bah voilà. Entrepôt, les boîtes de conserve qui flottent. Et une pomme de terre, oh! Légumes étranges, c'est une vache, un patoto... Potato vache, potato co. Zoomer, toujours pas. Et terminer l'observation. Légumes étranges. Et ben voilà. Bon bah, zoomer marche pas. Du tout. Est-ce que je suis dans la bonne direction du coup pour la carte? Ouais, Cambuse, zut. Alors, Cambuse et gauche.
Ah, mince. Mess hall, c'est le cambuse. Réfectoire, ok. Donc gauche, on repart. On va faire un quart de tour à gauche et puis on va continuer. Cambuse égale cantine. Sérieux? Attends, il est bien bloqué. Rouge, rouge. Ah oui, je peux pas. Ok, bien, objectif. Objectif, c'est où? Attends, mais il y avait bien marqué objectif, j'avais bien... Ah, A, objectif élément, B, objectif onglet. Il n'y a pas un récapitulatif de ce qu'on doit faire? Je vois pas. Dans mon scaphandre pour Ave. Bon, bah... Un cylindre de cire, formidable. Dans la vaisselle, c'était pas du grand luxe. Apparemment, tout était en carton et ça a pas tenu. Hein. Ça a pas tenu le choc. She's such a rude child. Oh. She's Isabel's daughter, though, so. Nonetheless, everyone should be taught the importance of respect. She seems like a bright young woman to me. Ah bah ils sont obligés d'enregistrer ces conversations là, sérieux. Elle aime pas sa bouffe du coup, Kadri, là, grave sur la patate. Le réfectoire. Et si je vous faisais écouter un peu de musique pendant que le bateau coule? Alors, le silence règne maintenant. Oh. Ah, ils sont tous morts alors. All gone. Donc c'est pas de bol. Ils n'ont pas survécu. Bah du coup, non. Fallait que je grimpe. Que je monte. Mais on peut pas se déplacer plus vite dans le jeu, j'ai l'impression. C'est interdit de speeder. Oh merde. Ah merde. Formidable. Ouf, en tout cas, ça n'a pas planté. Bon, bah, je vais pas aller explorer beaucoup plus loin parce que je m'ennuie. J'espérais... Oh, bah, il va falloir une pince maintenant. Un coupe-boulon. Pancarte. Lire pancarte. Fermé pour des raisons de sécurité. Waouh, ça avait l'air dangereux. Bon. Coupe-boulon, je cherche un coupe-boulon. Ou pas. Peut-être que j'accède en fait au derrière le bar, non? Ouais. Et puis ça m'étonnerait que je trouve un coupe-boulon. Ah mais c'était même pas un bar, si? Enfin, pas trop. Moyennement, peut-être. Bon, ça c'était fermé. Et puis voilà. Les palpitantes aventures de Thalassa. Alors, porte nécessite quoi? Nécessite un couteau. Bon, là c'est dédoublé. Vous auriez pu en fait envoyer un scaphandrier avec un minimum d'équipement. Un minimum au cas où, quoi, pour explorer une épave. Je sais pas. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà. Voilà voilà voilà. Donc t'as pas un coupe-boulon, hein? Non. Ah, une photo merveilleuse. Zabel et Ise. On n'a pas plus de descriptif que ça. Ah, là son pendentif, tiens. Un aimant. Bah, ah, un coffre. Eh ben non, le coffre on peut pas. Là il y avait que dalle. Un couteau, peut-être bien, peut-être pas.
nous pourrions trouver dans cette gargote sous-marine. Ah oui. Bon, bah je m'ennuie tout autant que vous. Tiens, il y a un cylindre. Ah non, c'était pas un cylindre. Je m'ennuie tout autant que vous, donc Thalassa, c'est trop bien. Puis en plus, si vous êtes pas à 60, ça doit faire la misère. Tiens, je vais le rebooter à 90 pour rigoler. Je vais mettre tout à zéro. Reprendre, perdu, afficher le menu, option. Bon, au moins les textures, moyen, moyen c'est le même, ah non, moyen était le minimum, ça n'avait pas de logique. So, basse, min, low. On va faire ça comme ça, tac, oui. I need a knife. Ah, on peut enlever ça du coup. Débris. Vas-y. Et tu peux ouvrir maintenant la porte. T'as le droit. Elle me dit pas qu'elle arrive pas. Ah si, quand même. Donc nous avons gagné le droit d'obtenir ce magnifique raccourci. Et oh mais sérieux quoi. Banjo Man. Il joua jusqu'à la fin, tel l'orchestre du Titanic. Il joua du banjo, le banjo de la mort. Ah, encore un cylindre avec une histoire soporifique. Ils sont inspirés des audiologues de Fallout 76, je pense, pour l'intérêt. Ou le manque d'intérêt. One piece of advice while you're aboard ship. Don't get on the wrong side of Cuddy. Ah ouais, bah sinon, il vous empoisonne votre bouffe. Voilà, c'était intéressant, c'était un caractériel qui apparemment aurait quelques tout de même raisons d'en vouloir. Oh, corde. Zoomé. Bah voilà, on sait ce qu'elle marche pas. Donc peut-être qu'on peut pas jouer si on peut pas zoomer. Nouveaux indices, c'était quoi? Corde.
Bon, bah, je sais pas. Et indice, en plus il dit les indices, mais ils sont où les indices? Indice, il y a que dalle. Parcourir, élément. Donc c'est un bug du jeu ou quoi? On va voir ça. Parce qu'on les voit pas. Non, s'il te plaît, pof. Alors, énigme. Ah, sélectionné, c'est bien. Alors, expédition directe, Sainte-Catherine n'a pas été. Voilà. Et pourquoi je peux pas grimper? Voilà. Oui. Zoomer, bah là, ça marche. Ouais. Indice. Alors. Alors le tout c'est de voir si je peux me déplacer maintenant dans l'onglet là parce que... Ah bah ça marche. Avec le pad c'est sur le droit, mais si je vire la fenêtre... Est-ce que t'es toujours d'accord? Est-ce que t'es toujours d'accord? Ouais c'est bon. Cylindre de cire, document, objet... Indice, que dalle. Bon bah. Pff. Je suis à la recherche d'un couteau. C'est d'où je venais, non? Carte. Purée, je me garde. Je trompe tout le temps de boutons. Feuillage. Hall central. Avec le stick, on peut aller à droite. Je peux pas. Vers le haut. Vers le haut. Vers le bas. Ah, c'est pour les différents ponts. Donc oui, c'est logique. Au bas. Eh ben, ça pue. Ça pue parce que je pense pas que je puisse aller de l'autre escalier en face. Et encore chez Isabelle Office. Merci. Oh là là là. Putain, ça rame. Moi, je vais pas tester le 90, ça sert à rien, quoi. Ça sert à que de chier, hein. Et oui, bah, on peut pas accéder à ça, parce que c'est fermé pour des raisons de sécurité. Waouh. Bon, bah, voilà. Voilà, voilà. Je crois que je craque. Je n'irai pas plus loin. Dans cette fantastique aventure sous-marine. Subaquatique. Terminer sur ce plan qui va vous faire très certainement rêver. Oh là là là. Bon, va falloir faire pas mal de découpage sur YouTube, hein, parce que... Ouf.